Je vous félicite, vous êtes fidèle à notre rendez-vous et c'est très bien. Alors avant de commencer vraiment notre danse du ballet, je vous propose de faire un ballet d'essai. Notre danseur solitaire est au milieu de la piste avec son ballet, prêt à le laisser tomber au premier coup de sifflet. Nos couples de danseurs sont prêts à entrer en danse. Le corps de ballet est au complet. Alors, en avant, ballet, bien sûr. Bravo, ce ballet d'essai est très concluant. Alors maintenant, nous allons changer de rythme et vous, vous changerez de partenaire à chaque coup de sifflet. Alors nous allons poursuivre notre danse du ballet avec une sélection de Java. La Java, vous le savez, est une danse dont on parle très souvent. On vous dit « Comment Java ?» Alors vous répondez « Java très bien !» Alors les couples sont formés. Bien, messieurs, alors je vous propose d'attaquer par une belote pour mettre tous les atouts de votre côté. C'est la petite belote à la parisienne, pas la belote basque. Mais alors vous, vous n'en profitez pas pour beloter vos partenaires, coquins. Cavalier.
feu cavalier. Comme a dit le poète sur un ancien tempo, moi, voyez-vous, je suis du beau temps du tango. Il en est quelques-uns encore qui s'en souviennent du temps où l'on riait toujours, quoi qu'il advienne. On ne se pressait pas, on prenait l'apéro en écoutant Tino, Chevalier ou Scotto. Le dimanche, on allait danser dans les guinguettes et l'on s'en revenait le soir à bicyclette. On était très heureux et on n'en savait rien. Je parle d'une époque qui est déjà bien loin. Chacun, sans le chercher, trouvait le temps de vivre. Pour vous dire, on trouvait le temps de lire des livres. Le coup de foudre lui-même venait au ralenti et on pouvait encore circuler dans Paris. On allait en vacances sur les bords de la Seine. Quand on aimait, c'était pas à la petite semaine. On y croyait vraiment. On gravait son prénom dedans un cœur sur les arbres de Robinson. Quand on dit ça, ça peut paraître fantastique. Je ne suis pourtant pas de l'ère préhistorique, non. Je suis simplement né au temps du tango, lorsque régnait Tino, Chevalier et Scotto. On fait la trêve sur le tas et en trois temps et trois mouvements, on change de rythme. Attention à la mesure, comme dit mon tailleur, et attention au coup de sifflet. Il s'agit maintenant d'une valse. Alors un peu de silence. On tourne! We'll be right back.
cavalier. Je vous conseille de reprendre votre souffle parce que vous allez en avoir besoin. Et tenez, pendant ce temps-là, vous, monsieur, oui, vous, monsieur, qui tenez le balai, là, profitez-en donc pour donner un petit coup par terre, comme ça on pourra dire que le balai bosse. Bon, attention, je vous disais de reprendre votre souffle parce que vous allez continuer notre danse du balai sur des rythmes sud-américains. Alors, boléro, rumba, samba, on va même vous donner un baillon, mais attention, faut pas que ça vous empêche de parler, hein. Alors, à vos marques, prêts, c'est reparti. Changer de cavalier.
voudrais pas jouer les troubles faites, mais il m'a semblé remarquer que malgré mes coups de sifflet, il y en a qui n'ont pas changé souvent de partenaire. Je comprends, messieurs, qu'il y ait des femmes très attachantes, mais enfin tout de même. Alors nous allons changer de rythme, et au cours de cette danse, je vous demande de bien jouer le jeu. Je vous préviens tout de suite, d'ailleurs, que c'est une danse qui demande beaucoup de concentration. Il faut y mettre du cœur au ventre, puisque c'est la danse du nombril de notre ami Maurice Larcan. Non, rien de changé, là. C'est moi qui vous préviens qu'il faut tourner le disque. Eh oui. Les sillons passent vite, hein. Vous êtes arrivés au bout? Alors rendez-vous de l'autre côté pour la suite de notre danse du ballet. Eh bien, puisque cette danse du ballet vous a plu, puisque vous êtes littéralement emballés, alors on continue, hein. Et tout le monde en piste, c'est le cas de le dire, avec le Burn-up Circus!
me semble que cette série de marches a fort bien marché. Dites donc, vous les avez comptées ? Il y avait 7 marches. Ça fait presque un escalier. Alors, et puis pour une fois, ce sont les hommes qui vous ont fait marcher, hein, mesdames. Chacun son tour. Soyez bonnes joueuses, mais d'ailleurs vous l'êtes. Je dois vous féliciter parce que vous avez fort bien joué et que les coupes se sont séparées à chaque coup de sifflet. Comme quoi, pour une fois, siffler et bien jouer. Cette valse, je crois que la tête vous tourne un peu. Oui ? Eh bien, tournez-la donc de mon côté, petite madame. Je vais vous faire une confidence. Parler aux femmes, ce n'est pas si facile qu'on imagine. Celui qui dit n'importe quoi, votre instinct vite le devine. Celui qui raconte des blagues ne vous amuse pas toujours, et celui simplement qui drague a souvent le cœur sans amour. Celui qui pense vous séduire en racontant ses succès fous, très souvent, il faut bien le dire, n'a pas de succès près de vous. Mais celui qui est trop timide, s'il peut parfois vous attendrir, ne parlant pas, vous semble vide et finit par vous faire rire. L'homme trop hardi vous déplaît avec ses mains d'explorateur, car vous n'aimez pas que l'on ait la main plus vive que le cœur. Vous voulez qu'on mette des formes, mais vous êtes, nous le savons, si différentes dans les formes et si semblables dans le fond. Aussi, moi, je sais qui vous plaît. Qui vous êtes prêtes à aimer, celui qui parle le mieux, c'est celui qui sait vous écouter.
ses yeux qui en disent long, son teint doré, ses cheveux blancs, et sa fossette qui fait risette sur son menton. C'est pas du vent, c'est du réel, et croyez-moi, Vénus elle-même à côté d'elle n'existe pas. Imaginez un corps de fée avec une âme d'enfant gâté. C'est du tonnerre de posséder un ange comme ça. Change de cavalière. Changer encore une fois, mais ce n'est pas sans rythme ni raison. Alors pendant ce foxtrot, vous vous êtes pas trop dépensé, dites donc, hein. Alors maintenant, avec ce qui enchaîne, vous allez vous déchaîner, hein. Il s'agit d'une raspa qui sera suivie de la fameuse danse atomique. Je vous rappelle qu'au cours de la danse atomique, vous devez, messieurs, lancer en l'air vos partenaires. Il faut les envoyer le plus haut possible, et la première qui s'est fait une bosse en touchant le plafond a gagné. Elle a gagné un flacon d'arnica. Arnica, vous êtes avec moi? Ah, autre chose. Si le coup de sifflet arrive quand elle est en l'air, vous avez le droit de la laisser tomber. Alors allons-y et que ça saute! Yeah.
qui réchauffe l'atmosphère, hein. Ah, vous avez été sensationnel, là, je vous le dis franchement. Vous avez mérité de vous reposer une minute. Alors, écoutez, je vais vous dire une petite fable express. Je l'ai préparée pour vous, et grâce à cette fable, vous allez trouver le titre du morceau suivant. Alors, écoutez bien, ça commence. Au restaurant, Monsieur Hénade a commandé légumes verts et choux, car c'est ce qu'il préfère. Aussi, le patron dit au serveur empressé... Eh ben, qu'est-ce qu'il dit le patron à son serveur? C'est le titre du morceau, justement. Vous avez trouvé? Alors, je recommence. Bon, au restaurant, Monsieur Hénade a commandé légumes verts et choux, car c'est ce qu'il préfère. Aussi, le patron dit au serveur empressé... Serre Hénade de choux verts. Thank you.
vous regardais entre mes coups de sifflet, là, pendant que vous vous dansiez ces tangos, des dents, vous suiviez la musique, hein. Il y en a même qui la suivaient les yeux fermés. Et vous étiez tous pleins de langueur. Ah, 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 mais oui. Et le plus langoureux, c'était encore Maurice l'archange sur son accordéon. Il me semble qu'il vous a tous battus d'une langueur. Alors maintenant, nous allons passer au passo. C'est pas un passo en longueur, celui-là. Non, non. Ce sera le dernier morceau de cette danse du ballet. Et vous reconnaîtrez avec moi que pour finir, c'est pas bête, un passo. Change de cavalier.
terminée. Mais si ça vous a plu, averse bien sûr, rien ne vous empêche de recommencer. Alors, il vous suffit de lever le bras, celui de votre pick-up bien sûr, et de le remettre sur la première face du premier disque. Et là, eh bien, vous nous retrouverez tous en pleine forme. Alors, en attendant, Maurice l'Archange et ses musiciens, ainsi que votre ami Maurice Birot, eh bien, vous disent à bientôt et peut-être même à tout de suite si vous voulez recommencer.